Bonjour, bonsoir à toutes super bonsoir à toutes super fanatiques. Et ça c'est jeune nayo. Jeudi en dimanche 3 avril nous dans baraque Pétionville côté nous vinn ba un gros push à belle idée magazine qui a organisé un coquin chaîne activité. Une activité côté c'est seulement femmes qui panélisent donc c'est une activité qui est organisée par des femmes en quelque sorte pour les femmes et pour toutes garçons tout qui veut supporter femmes dans mesure que yo capable. Alors comme panéliste dans belle activité jeudi, nous gain Dashka lui, nous gain Missoy que tout le monde connaît, nous gain Sephora Douyol, nous gain Stéphana Dorval Coquillol que nous t'ai comme invité dans l'espace des jeunes. Alors c'est sûr que c'est une belle activité. Nous allons apprendre un pile de belles idées magazines. Nous allons apprendre un pile tout de activités sexuelles cette là. Alors on va quitter nos pop, non? On regarde. Bonsoir, moi c'est Sri Lanka Benji Sanou. Moi c'est rédactrice dans Belle Idée Magazine, moi c'est tout administratrice Belle Idée Magazine. Activité ça Belle Idée organisée, li rentre dans cadre côté n'a fait promotion pour droit femme, côté que n'a aidé nous rentrer dans bataille qui gagne pour droit femme. Donc activité ça c'est dans contexte ça que li même li réalisé pour nous parler de droit femme. Pour nous entrer dans la bataille, pour nous lutter dans la femme. Activité ça a gagné pour thème femme, votre choix de vie, votre droit. Côté que tout intervenant, vous avez gagné une possibilité pour vous parler d'expérience, pour vous parler de combat que vous avez mené pour ça qui gagne pour vous avec la droit femme dans la société haïtienne. Vous avez gagné deux panels. Le premier panel là, c'était sous l'égalité de genre pour un avenir meilleur. C'était moi-même Sri Lanka qui était modératrice et panel ça ensemble avec Soraya lui, Dashka lui, Sephora Drouillard et puis Christina Bellance qui était intervenante pour panel ça. On a choisi ce thème pas pour mettre garçon vis fille ni pour mettre femme vis homme mais pour mettre la femme en soi devant tout le monde. Donc fille en l'avenir, il a parlé de ça que lui-même lui a fait sans pour autant mettre en face un garçon pour dire que c'est par rapport à tel genre ou c'est par rapport avec tel bagage que garçon quand entreprendre lui-même l'a fait ça. Mais non, c'est ça que fille lui-même lui a fait en soi. C'est peut-être ça que nous te mettez activité et que thème c'était femme, votre choix de vie, votre voix. Donc ou fait choix dans vie et c'est ça qui a parlé pour donc c'était dans ce sens. C'est que même si c'est garçon, même si c'est femme, lui concerne tout le monde net. Et je suis capable de dire que les filles, même si supposé qu'on est que y a une place dans la société, il n'y a pas obligé d'attendre que c'est les gens qui mettent en place, mais c'est eux-mêmes qui peuvent choisir la place qu'ils ont besoin. Et aussi supposé tout, travailler sur propre tête par eux et travailler plus toujours avec ça qui est plus vite, pour être capable de vivre un niveau d'émancipation avec un niveau d'égalité de genre. Allô tout le monde, je suis Vicky Onenier, Victoria Onenier. Je suis peintre, graffeuse, photographe et aujourd'hui j'expose de l'activité de Belle Idée en tant que peintre. En tant que femme, je pense que c'est un sujet assez important parce que moi-même, en tant qu'artiste, en tant que jeune femme artiste, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu faire ça. Et en tant que femme, ça n'a pas vraiment été bien vu. Quand j'ai fini mes études, je dis à mes parents que je vais être artiste à plein temps. Donc, justement, ce thème nous dit, ok, je suis femme, j'ai fait mon choix et j'assume mon choix et je continue. Et je marche vers la réussite à travers le choix que j'ai fait. Donc, faire choix et me taper des choix. Donc, pour moi, c'est ça. En fait, c'est un honneur, je dirais, parce que un groupe de jeunes a également fait choix de nos jeunes. Donc, je pense que c'est bien, ça veut dire que le travail que je fais est apprécié, aussi mais soit-il. Donc, je l'ai dit tantôt à la causerie, ça me fait extrêmement plaisir d'être là et surtout être entouré de trois autres panélistes qui également font un travail extraordinaire. Je pense que les femmes ont leur place dans la société et Belle Idée Magazine a trouvé juste d'organiser cette causerie. C'est tout à notre honneur parce que mettre question égalité de genre au centre des discussions actuellement, c'est évidemment important. On le fait à travers le monde. Donc le faire maintenant en Haïti et continuer à sensibiliser les jeunes, continuer à poser ces petits pions
pour l'avancement de ce qu'on appelle l'égalité de genre, hommes-femmes en Haïti, c'est extraordinaire. Vous-même qui nous regardez là actuellement, continuez à faire le travail que vous faites. Les féministes l'ont fait pour nous. Ce n'est pas un travail qui va s'arrêter maintenant, parce que le travail est énorme. Et j'aimerais bien que 100 ans après moi, que peut-être ma fille, la fille de ma fille, va être beaucoup plus à l'aise, va avoir ses compétences qui vont être rémunérées à sa juste valeur. Et puis, qu'on ne juge plus une personne de par son sexe. Donc ça, c'est le but principal. Donc voilà, j'étais contente d'être là. Donc j'étais contente. Ouais, ça m'a fait plaisir. Et merci à Espace des Jeunes. Donc, merci beaucoup à l'équipe Espace des Jeunes. Alors voilà, je remercie Espace des Jeunes. Donc j'étais vraiment contente d'être avec vous. Bisous.